important pour les armées qui ont besoin de sang pour leurs blessés. Et c'est la seule fois dans l'année où les civils peuvent donner leur sang pour des militaires. Donc, je vous le rappelle, au terminal Air France, et voilà. La date des Invalides. Et voilà, les 6 chuteurs de l'école aéroportée de Pau sont en train de sauter. Et ils vont arriver donc dans quelques instants où nous nous trouvons, place de la Concorde. Et les animations musicales que vous allez entendre, qui vont se succéder, sont toutes des illustrations qui rappellent l'époque de la Seconde Guerre mondiale, notamment à partir de musique américaine, de musique de jazz ou de musique jazz. Militaire. En fait, chez le gouvernement militaire de Paris, nous ont expliqué qu'ils avaient souhaité recréer un peu l'ambiance de ce qu'entendaient nos aïeuls sur les ondes en 1945. Jazz américain tout à l'heure. Regardez cette image splendide. L'un des chuteurs de l'école aéroportée de Pau, donc, avec une caméra embarquée. Et qui s'apprête donc à se poser tous les 6 sur la place de la Concorde. Tandis que l'animation musicale se poursuit. Et vous avez donc 20 jeunes porteurs de coussins. Ce sont tous des jeunes qui ont fait le service civique, qui sont engagés dans le service civique. C'est un service volontaire que le président de la République souhaite développer et étendre. Et sur les coussins qu'ils portent, il y a le nom des 15 unités et des 5 communes qui ont été décorées de l'ordre de la Libération. Voilà, vous apercevez le premier parachutiste qui se pose, très applaudi. Très applaudi, ouais. Il n'y avait plus de saut en parachute depuis que l'un des parachutistes s'était blessé, vous vous souvenez Pierre? Effectivement. Et qu'il avait pas une blessure très grave, mais qui surtout psychologiquement l'avait très très mal vécu. Oui. Ça paraît tout simple comme ça, mais ça n'a rien de simple. Car vous pouvez avoir au sol tout d'un coup des vents contraires ou des vents balayants. Est parfaitement réussi cette année, hein, Pierre. Assez original. Oui, tout à fait original. On n'avait encore jamais entendu Glenn Miller ou autre. Et on peut adresser un coup de chapeau aux équipes du général Charpentier, le colonel Brulon, tous ceux qui sont avec lui,
qui nous ont beaucoup aidés, qui nous aident toujours beaucoup dans la préparation du 14 juillet. Il faut savoir que c'est Marielle Bonfenouilla aussi. Oui, voilà, et c'est cette équipe qui imagine notamment les animations et qui se renouveler tous les ans, collées au thème du 14 juillet. Donc c'est vraiment une mobilisation considérable pour arriver à ce qui vous est présenté aujourd'hui. Voilà le drapeau européen, le drapeau français. Le drapeau mexicain. Et lors de la libération. Ils appartiennent à l'école des troupes aéroportées de Pau, unité de la 11e brigade parachutiste. Cette école a en charge la formation des parachutistes des trois armées et de la gendarmerie. On posait devant vous l'adjudant-chef Patrick Vantaja, le caporal-chef Mohamed Moujid, l'adjudant Alexandre Junot, le chef d'escadron Stéphane Santana, l'adjudant-chef Daniel Levasseur et l'adjudant-chef Olivier Ménanteau. Le lieutenant-colonel Géraud Lours, chef de corps de l'école des troupes aéroportées, va maintenant présenter les sautants au chef de l'État.